c'est des pointes de guerre, donc qui ont une finition brute, parce que justement c'est le nombre de pointes de flèche qui est intéressant. Un archer en tirait 11 à 18 à la minute, ce qui fait très rapidement plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de flèches qui partaient en très peu de temps. Les pointes de flèche perce-mailles donc étaient vraiment très utilisées sur les, contre les côtes de mailles, qui était une des armures les plus répandues pendant une grande partie du Moyen-Âge. D'accord, on retrouve la reine des prêtres, l'ancêtre de... L'ancêtre du dentifrice, c'est une préparation à base de fenouil, de prêle et de sel. Et tout simplement, on broyait ces trois ingrédients et on en faisait une poudre qu'on passait sur les dents avec un petit chiffon humide. Et ça permettait, la prêle va venir avec son côté abrasif nettoyer les dents, le sel blanchir les dents et le fenouil laisser un bon goût d'anis dans la bouche. Ça sent bon les herbes, on aime bien, ça a un petit goût en bouche, c'est vraiment bien. Donc ils devaient avoir les dents propres à l'époque. Allez, c'est bien. Les animaux, on les a tout jeunes, donc on leur montre, on leur fait faire des parcours, et puis voilà le résultat. Il faut être calme, voilà, faut être patient, et puis faut leur parler. Alors,